Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League. Déjà la moitié de cette première période, même si pour l'instant City, certes dominateur, mais ne parvient pas vraiment à inquiéter le portier Haddad, suffit de le dire, pour que ce ballon traverse le petit rectangle. Oui, ça manque un peu d'occasion dans cette partie. Pas d'intervention de Monsieur Meller. Ça donne maintenant avec Foden plein axe et ce ballon dégagé des points par Adam. Ça commence légèrement à se préciser. Même si cette balle avait été légèrement déviée, je pense que le gardien aurait pu garder ce ballon. Il me rassure pas, lui. Sur ce ballon et peut-être une occasion de but ou pas. Ah non, on va pas beaucoup plus loin. Et attention à ce ballon. Oh, qu'il est beau cet arrêt. La part d'Adam devant Sterling qui se fourvoie un peu dans le dernier geste. Honnêtement, sauf improbable retournement de situation ou improbable miracle, en tout cas, oui, mais... qu'on risque d'être dehors. Alors c'est vrai qu'à l'aller, bah oui, à l'aller, ils ont trop ouvert la porte. Non, ils ont trop ouvert, c'est clair, mais ce qu'il y a surtout, c'est que cette équipe aussi de Manchester City doit montrer. Attention, Benoît, attention, ben voilà, elle doit le fait, montrer. Elle le montre. Vous pouvez les voir à l'œuvre. Et suffit parti. De le demander. Parti. Le garçon que vous appréciez. J'adore Jesus qui fait 1-0. Ouais. Comme quoi, il fallait pas grand chose pour permettre à cette équipe de City de passer devant. Je vous ai dit, c'est vraiment limite pour moi. Alors, pas bien mis là, par rapport. Penchez-vous un peu, Benoît, c'est mieux. Oui, il va se pencher un petit peu. Mais on va faire confiance au VAR, puisque la plupart du temps. En Champions League, ils sont quasi impeccables. Et honnêtement, alors entre Brésiliens, on se parle. Il faut la. Eh bien, c'est hors jeu. Ah ben voilà. Là, vous voyez. Ballon décalé sur la gauche avec Jesus. La frappe de Jesus, c'est capté en deux temps. Quelle occasion avec Adam. Ouais. Et là, regardez, petite réaction qui a le mérite d'exister du côté du Sporting avec justement Edwards. À ce rythme-là, demain on y est toujours. Hein. Ouais, cette fois-ci c'est bon visiblement. Va-t-il frapper? Oui. Non? Eh bien non, Mahrez. Première zone, tout ça pour ça. Et là, boum, Checo. Oh là, bien fait, remarquable. Franchement, là, le geste en tant que tel
valait le détour et c'est pas terminé. Regardez, c'est une réelle occasion de but pour le Sporting. Et superbe reconversion. Alors ok, ça passe au-dessus. C'est le moment, c'est l'instant pour City. Avec Gündogan. Ballon qui passe au-dessus. Oh, ah, voici le ballon, ballon de but ou pas avec Sterling à côté. Mais j'ai envie de dire que finalement pour le Sporting, c'est mérité. Ils ont tenu la baraque. Ce résumé vous a été présenté par Takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League.